Ben aujourd'hui, être directeur, oui, c'est très motivant, mais c'est épuisant. C'est quelque chose de vraiment difficile à gérer. Et tous les directeurs le disent, ils n'en peuvent plus. Le mal-être, il est dû aux conditions de travail, à toute la charge de travail, au nombre de missions, de tâches qu'il y a effectuées quotidiennement. Il faut tout faire dans l'immédiat, il y a tout le temps urgence. Être directeur, c'est une pression permanente, une pression avec la hiérarchie, avec les parents d'élèves parfois, voire avec les collègues. Et donc pour tout gérer au quotidien, on est tout seul. La difficulté, c'est qu'on a droit à une journée par mois où quelqu'un prend notre classe pour nous permettre de nous consacrer à des tâches de direction. Donc ça veut dire que le reste du temps, on le fait avant la classe, entre midi et deux, après la classe, le mercredi ou le week-end. Donc ça empiète évidemment sur notre temps de préparation en tant qu'enseignant, mais aussi sur notre vie personnelle. Cette souffrance au travail, elle n'est absolument pas tolérable et il y a vraiment urgence à agir. Pour améliorer la situation, on a vraiment besoin de plus de temps, du temps donné au directeur en dehors de la classe pour se consacrer à la direction. On a besoin évidemment d'alléger toutes les tâches qui sont demandées au directeur et peut-être de redéfinir la fonction de directeur.